puisqu'il est dans ma main, je vais vous parler du livre #EnjoyMarie. Alors tout d'abord, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, et donc c'est une nouvelle rubrique de « Mais qu'est-ce que tu lis ?» et en l'occurrence « Qu'est-ce que j'ai lu ?» mais je ne vais pas changer le nom de la série, parce que je trouve que ça sonne mieux comme ça tout simplement, et j'essaierai à partir de décembre, je pense, à vous faire une vidéo de ce genre par mois, ainsi que les tags. Donc c'est parti. Tout d'abord, je vais commencer par l'apparence extérieure, et je suis désolée si je regarde mon téléphone de temps en temps, c'est parce que j'ai pris mes notes pour ne pas oublier de vous dire certaines choses. Alors pour ce qui est de l'apparence extérieure, elle est assez jolie, la couverture c'est très sympa. Alors c'est rose, voilà, il y a un bokeh de lumière, c'est assez sympathique. Pour ce qui est du nom du livre, je le trouve assez pertinent pour le côté Enjoy Marie, quoi. Mais pour le hashtag, je ne vois pas. Vraiment, je ne vois pas. Sa chaîne YouTube, c'est Enjoy Phoenix, il n'y a pas de hashtag. On n'est pas sur Twitter, je vois pas ce que ça vient faire en nom de livre. Et ça fait un peu comme un signe de « il faut que ça parle aux adolescents ». Et ça va être aussi le nœud du problème, mais je vais vous en parler plus tard. Donc, il est un peu cher quand même, enfin 15 euros, ça va encore, mais pour ce que c'est, je trouve ça un peu cher malgré tout. Après, je sais pas, pour ce qui est de la maison d'édition, si c'est une petite maison d'édition. Je comprends qu'ils essayent de faire un effort parce que c'est pas donné d'éditer un bouquin en beaucoup d'exemplaires quand on est une toute petite maison d'édition comparée à une énorme. Donc, c'est les éditions Anne Carrière, du coup, chez qui elle était allée visiter l'imprimerie. Pour ce qui est de la quatrième de couverture, je vais vous la lire. J'ai eu une envie, l'envie de raconter une histoire, de partager quelque chose de différent avec vous. Moins de vidéos, plus de mots, moins d'Enjoy Phoenix, plus de Marie. Kaléidoscope d'instant, Polaroid de ma vie au collège, puis au lycée. Rassurez-vous, ce n'est pas une autobiographie à 19 ans, vous rigolez. Simplement un regard, des remarques spontanées sur des sujets parfois mis à l'écart par les médias. Ce genre de sujet pas vraiment accrocheur. Être bien dans sa peau avec un appareil dentaire, des cheveux gras, de l'acné sévère, le harcèlement scolaire, la famille décomposée et le reste. Le net, les réseaux sociaux, tout y est, le meilleur comme le pire. À travers des anecdotes, des confidences, mon vécu de youtubeuse, j'ai voulu écrire un recueil sans prétention, petit GPS décalé pour les jeunes connectés, afin de vous éviter les mêmes erreurs. Les miennes bien sûr, et peut-être afin de vous faire gagner du temps sur celui que l'on n'a pas, avec un peu de recul et j'espère un peu d'humour, je témoigne ici de la réalité, quelquefois complexe, du jeune âge, car comme chacun sait, les ados sont une énigme pour les adultes. Alors, ça résume assez bien le livre, je pense, et là est l'essentiel de la chose, c'est que ce bouquin cible essentiellement les adolescents ou les gens qui sont plus jeunes que Marie. Voilà, moi qui suis à la fac, je me suis pas retrouvée dedans spécialement parce qu'il y a plein de problèmes que je n'ai pas eu. Alors clairement je ne fais pas partie du public visé puisque je suis déjà plus âgée que Marie elle-même et donc clairement plus du tout adolescente depuis déjà un bon moment, et donc les conseils ici ne vont pas m'être utiles. Éventuellement certaines choses, problèmes de la vie d'adolescente m'ont été remis au visage alors que je ne m'en souvenais pas et que je n'avais pas envie de m'en souvenir tout simplement. Du coup ça a été un peu négatif de ce point de vue là. Et après il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vraiment appréciées ou aimées. C'est pas pour autant un livre que j'ai détesté, mais j'en ai été un peu déçue et voilà. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Tout d'abord, j'habite à Lyon mais je ne suis absolument pas allée aux signatures même si je pouvais. Parce que après avoir vu les vlogs dans différentes villes, genre Strasbourg, Paris, etc., avant Lyon, quand j'ai vu les vlogs, je me suis dit « c'est pas possible ». Déjà, je ne me voyais pas faire la queue pendant des heures. Pour un livre que j'ai moyennement apprécié, ce n'est pas une auteure que je kiffe ma vie. Si demain Scott Westerfeld venait à la Pardieu ou à la Fnac de Bellecour, j'y courrais et j'y passerais des heures parce que c'est vraiment un auteur que j'adore, que j'admire et que je lis énormément. Mais c'est pas le cas de Marie, j'adore ses vidéos, vraiment tout ce qu'elle fait niveau vidéo justement et sur YouTube et ce qu'elle nous montre d'elle-même. Mais clairement ce n'est pas pour son livre et son écriture
que j'irais la voir, ou si c'était vraiment pour ça, pour avoir la dédicace, eh bien je n'ai pas envie de subir des heures d'attente pour des filles qui viennent parfois que pour les photos, qui veulent une dédicace sur des papiers, des tickets de caisse, etc. Des gens qui n'ont pas pris la peine de le lire ou de l'acheter encore. Je n'avais pas envie d'être mélangée à cette foule oppressante et surtout de très jeunes filles. Et c'est ça surtout qui m'a freinée, c'est que le côté les filles groupies qui hurlent dès qu'elles voient Marie, c'était juste pas supportable pour moi, parce que ce n'est pas une réaction normal, parce que je ne suis pas une fanatique de Marie, je ne suis pas fan, voilà, comme peu d'entre elles en fait finalement, mais voilà, le moindre truc quand on est ado nous rend dingue et on hurle, et voilà, on a besoin de l'exprimer et de dire « Ah, je suis là, regarde-moi Marie » et tout, et c'est pas mon délire, et surtout c'était pas un comportement adulte, et je sais que ça allait me taper sur le système et me donner la migraine d'être pendant 3 heures dans une file d'attente au soleil ou sous la pluie avec des filles qui hurlent à côté et qui ne parlent que de ça et qui ont largement moins que mon âge. J'avais peur aussi d'être déçue par rapport au temps qu'elles prenaient avec chacun, alors je ne sais pas vraiment puisque je n'étais pas là-bas et que je ne sais pas combien de temps elle a pris par rapport à chaque personne. J'aimerais beaucoup faire une dédicace de Digli par exemple, parce que je sais qu'elle prend la peine de dessiner éventuellement sur les bouquins qu'elle signe, qu'il y a moins de place et de personnes qui passent, mais surtout elle prend le temps de parler avec les gens, et c'est ça qui me plaît, on rencontre vraiment un auteur, et l'idée de rencontrer un auteur c'est qu'on le connaît qu'à travers son livre. Marie, on la connaît à travers de bien d'autres choses, et voilà, tout simplement, si j'ai envie de voir Marie et de la rencontrer et de lui dire plein de choses et de lui offrir des cadeaux, et bien tout simplement j'irai en meet-up et pas dans les signatures de livres, et du coup je trouve que ça a un peu dévié de ce côté-là, même si elle essaie de tout faire pour que ça ne soit pas le cas. Ensuite, il y a une chose qui a été un peu aberrante par rapport à ça que moi j'ai trouvé, et que je trouve qu'elle l'a pas assez dit, ou peut-être que je sais pas comment elle pense par rapport à ça, c'est pas mon problème. Mais quand je vois tous les cadeaux qu'elle reçoit de jeunes filles, clairement c'est pas le genre de choses que j'accepterais personnellement, parce que c'est des jeunes filles qui ont pas de revenus propres, qui ont un peu d'argent de poche avec un peu de chance, et voilà, je pense que j'aurais ce train de vie et même cette reconnaissance là en avoir autant à tous les meet-up dans des sacs et des sacs, et avoir 15 000 peluches quand je sais que je suis obligée de les donner à la fin parce que je n'ai pas la place chez moi et qu'il y a plein de choses que je ne vais pas garder. Je trouve ça dommage que les gens prennent la peine de le faire, perdent du temps, de l'argent pour ça, et que derrière je le donne à des associations, même si c'est pour la bonne cause. Voilà, je préfère le dire tout de suite, peut-être directement, les tant de parties de mes cadeaux que je ne pourrais pas garder chez moi parce que je n'ai pas la place iront à des associations ou autres, comme ça les gens sont au courant. Et il y a un moment, je pense que je dirais stop si ça devient vraiment trop. Bref, ça n'a rien à voir au livre, mais j'avais envie de vous en parler quand même malgré tout. Ensuite, moi qui suis une un peu grande lectrice, il y a quelque chose qui m'a vraiment dérangée à la lecture, c'est la taille des caractères. Vraiment, je trouve ça écrit trop gros. Alors c'est un peu le cas déjà dans un livre de Scott Westerfeld que j'adore, qui est Uglies, mais là c'est encore pire, et je déteste, comme dans les Mark Levy, avoir une énorme page pour des écritures énormes, parce que j'y vois très bien de près, merci, je ne suis pas vieille, le public ciblé n'est pas vieux non plus, et voilà, j'ai l'impression qu'on perd de la place et du papier, et niveau écologique je n'aime pas ça, et je préférerais avoir un plus petit format avec vraiment des écritures plus condensées, parce que ça me plairait plus tout simplement et que ce serait plus facile pour moi de lire, je pense. Parce que je trouve que ça fatigue moins les yeux de faire juste ça et de tourner la page plutôt que de faire tout ça en grand très vite, parce que c'est grand du coup. Ça m'embête un petit peu, mais c'est qu'un détail. Mais du coup aussi, je me dis que là, il fait à peu près 215 pages avec des écritures assez grosses. Donc je n'imagine pas ce que ça serait si c'était vraiment écrit plus petit niveau page. Et c'est ça qui me dérange un peu aussi, c'est parce que du coup, en général, le prix en fonction du format du bouquin, et là on part sur un style de roman jeunesse,
Et je trouve ça un peu décevant de payer 15 euros alors qu'on pourrait avoir un format plus petit et moins cher et plus adapté justement au public visé, parce qu'on a beau pouvoir se le faire offrir, c'est pas facile pour tout le monde et voilà, je trouve ça un peu dommage. Ensuite, il y a eu quelque chose dans l'écriture qui m'a vraiment déplu, c'est qu'au départ, elle n'est pas partie dans l'idée d'écrire un livre, mais elle faisait son journal intime par rapport à YouTube. Et ça se ressent parce qu'après, elle a dû le remanier pour que ce soit éditable. Et le problème, c'est que je trouve que c'est trop entre les deux. Il manque du travail, oui, il fallait pas le faire du tout. C'est-à-dire que soit on fait vraiment un truc journal intime, soit on fait vraiment un truc du genre je parle à mes lectrices. Et il y a un peu trop des deux et je sais pas trop où me placer et on est ballotté entre les deux et ça me plaît pas. Ensuite, pour ce qui est du coup de l'écriture, j'aimais bien quand même quand vraiment elle nous parle à nous, mais j'étais pas fan quand on était trop projeté dans sa vie directement de quand elle écrit, parce que pour moi c'est un peu franchir le quatrième mur et un auteur ne parle pas dans son livre, même autobiographique, même si ce n'est pas autobiographique mais que ça parle de conseils ou autres comme là, eh bien je trouve ça dérangeant qu'il nous parle de « Ah bah j'ai pris un thé et j'ai fermé l'ordi parce que j'en ai marre d'écrire aujourd'hui ». C'est un peu trop ça dans le bouquin et surtout j'ai eu l'impression que c'était répété assez souvent, par exemple quand elle nous dit que l'ordi est fermé, qu'il a assez travaillé et repos soldat, que ses yeux lui piquent, qu'elle baille, qu'il est grand temps qu'elle arrête de travailler pour ce soir, le froid du carrelage, etc. Et surtout son obsession avec les tasses de thé pendant la rédaction de ce bouquin, j'ai eu l'impression de lire quasiment que ça et c'est quelque chose que j'ai trop retenu. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué et ça ne devrait pas parce que ce n'est pas du tout le sujet principal du livre. Et j'ai trouvé ça dommage parce que ça empiétait sur mon ressenti global et surtout ce que j'en retiens. Pour ce qui est de mon opinion à moi personnellement par rapport aux conseils qu'elle donne, il n'y a pas de mauvais conseils. La seule chose que je dirais, c'est que j'ai pas eu du tout les mêmes problèmes qu'elle et j'ai eu beaucoup moins de problèmes en fait qu'elle a eu. Et du coup, je ne me reconnais pas dans tout. Je n'arrive pas à m'identifier dans une grande partie du bouquin malgré tout. Et j'ai l'impression que ce qu'elle dit, c'est un peu du déjà vu. Et même si elle le dit souvent sur sa chaîne, etc., pour moi ça manquait de profondeur dans les conseils et elle aurait pu approfondir et aller plus loin. Et je suis aussi déçue d'une chose, c'est qu'elle n'a pas du tout parlé de son après-bac quasiment. Elle nous parle de YouTube, mais pas du tout ou très peu de quand elle est allée à la fac à l'université Lyon 2. Et du coup on nous perd un petit peu dans ce niveau-là, parce que quand on est plus vieux qu'elle ou du même âge, eh bien on a l'impression qu'elle s'éloigne de nous parce qu'elle connaît ce que les adolescents connaissent, mais pas ce que nous à l'université on vit tous les jours. Et elle ne nous en parle pas et elle nous fait un peu des vidéos back to school, mais c'est pas encore vraiment aussi précis et vraiment aussi helpful qu'on voudrait. Voilà, je suis désolée, je trouve plus le mot en français, mais voilà. Et du coup, je trouve ça un peu dommage parce que j'ai l'impression qu'elle se rapproche de son public plus jeune et pas des gens de son âge. Et on a l'impression d'instaurer comme ça une distance et le fait aussi d'avoir un public plus jeune. Les jeunes sont plus facilement manipulables, ont besoin de modèles, etc. Et du coup, ça la classe un petit peu dans le rang des stars, même si c'est pas vraiment une star et elle le dit elle-même. Mais le fait qu'elle soit reconnue par les jeunes, et bien plus on vieillit, moins on se sent proche d'elle, parce qu'elle n'est plus à même de comprendre entièrement ce qu'on vit par rapport à nos études. Et je trouve ça un peu dommage. Et du coup, ça la déshumanise à nos yeux quand on grandit. Et forcément, quand il y a une distance, une barrière, bien c'est la même barrière qu'il y a avec des stars qui sont inaccessibles. Et je trouve ça vraiment dommage que ce petit détail la rende plus inaccessible dans nos esprits, parce qu'elle ne l'est pas plus ou moins qu'avant. Mais du coup, voilà, psychologiquement, ça me dérange. Ensuite, du coup, par rapport aux problèmes cités, eh bien, elle apporte son expérience. C'est vrai qu'elle ne peut pas apporter plus. Mais j'aurais aimé qu'elle nous donne plus de réflexions par rapport à ça, ou qu'elle nous parle de sujets
diverses ou peut-être plus profonds. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'on reste beaucoup en surface. Par exemple, on parle des dents, des cheveux. Il y a tout un chapitre sur les problèmes de cheveux. Alors, c'est pas vraiment ma grande vie, mais j'ai l'impression que du coup, faire un chapitre sur les cheveux, vraiment, ça rend quelqu'un superficiel. Alors, ça paraît bête, mais ce livre représente trop de superficialité à mes yeux. Et la Marie qui a derrière la personne, sa personnalité, ses questions de vie, etc., eh ben, on les a pas trop. Et je trouve ça dommage. Et voilà. Il n'y a pas vraiment de réflexion sur comment elle s'est mise en couple, enfin, comment elle l'a emménagé dans un foyer couple, c'est ça que je veux dire surtout. Et parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'actualité de quand on est étudiant, par exemple. Et je trouve c'est dommage qu'elle ne l'aborde pas. Alors, je comprends que ça puisse rester du domaine de la vie privée, mais peut-être qu'elle a besoin de temps, mais il y a beaucoup de choses de sa vie privée dans ce livre qui sont pires ou tout autant... exposante. Et donc sinon on nous parle de la rumeur, la mauvaise réputation, la popularité, ça je ne sais plus, le bonheur, l'argent de poche, les confessions d'une accro au shopping, donc le shopping, les soirées, le divorce, ça c'est vrai que c'est un sujet un peu plus profond, noyé dans une masse de trucs, voilà, les petits frères et petites sœurs. L'amour éventuellement, mais voilà, ça reste un peu trop superficiel à mon goût pour le moment. Et il y a encore un chapitre qui est le 18 qui s'appelle Men, Women and Children, et donc elle nous reparle de son thé glacé, voilà, et elle nous parle d'internet surtout en fait, et du coup voilà, et le dernier, avant-dernier chapitre, du moins, c'est YouTube. Et c'est première fois, et du coup, ouais, je trouve ça un peu trop superficiel comme thème. C'est... voilà, tout est traité qu'en surface, et ça manque de profondeur. Il y aurait matière à continuer là-dessus, ainsi que rajouter 2-3 sujets plus sérieux ou de... pour les plus grands, je trouverais ça sympa, et malheureusement ce n'est pas le cas. Donc j'ai été déçue par rapport à mes attentes parce que je m'attendais à un plus, tout simplement, parce que justement je lis beaucoup et que je suis assez exigeante. Après c'est vrai que c'est pas mal pour quelqu'un qui n'a jamais fait de livre avant, qui n'a pas fait d'écriture, voilà. Donc en gros c'est un peu Marie la grande sœur dans ce bouquin, malheureusement pour moi vu que je suis plus âgée qu'elle. Et du coup je suis déçue qu'il y ait une sorte de date de péremption, parce que quand on lit ce bouquin à partir d'un certain âge, ça perd de son intérêt, vraiment. C'est, si on ne le lit pas tôt, genre quand on a 15-17 ans, après c'est trop tard, je trouve. Pour finir cette vidéo, je vais vous expliquer du coup pourquoi j'ai voulu l'acheter et pourquoi je l'ai lu. Tout simplement parce que j'étais intriguée, bien évidemment, c'est une youtubeuse que je suis, que j'aime particulièrement, qui est l'une des plus connues et les plus anciennes, on va dire. Et donc j'étais forcément intriguée, moi, démarrant sur YouTube, de peut-être avoir des conseils vis-à-vis de ça, de voir son évolution, d'en apprendre plus sur elle, et de voir tout simplement ce qu'elle avait à dire. Voilà, même si je n'étais pas visiblement dans le public ciblé, ce que je n'avais pas forcément autant conscience à la base, malgré le résumé assez inductif, mais visiblement pas assez pour mon esprit de base. Et puis c'est vrai que j'avais vraiment envie de le lire. Ensuite, moi qui aime les livres, j'avais vraiment envie de l'ajouter à ma collection. C'est simple que je ne vais absolument pas le revendre ou quoi que ce soit, je vais le garder. Parce que pour moi c'est un symbole de YouTube, de cette désacralisation des youtubeuses. Le fait qu'on en parle de plus en plus à la télé. Et le fait que pour moi ce livre c'est un symbole d'un pas dans l'histoire d'internet. Parce que justement... on exporte en France le concept de les youtubeurs ont une vraie place, un vrai métier et font des choses concrètes qu'on peut toucher dans les mains encore, voilà. Et je trouvais ça important tout simplement, le fait de rendre ça plus commun qu'avant encore YouTube. Et pour moi du coup ça a un peu une petite valeur d'histoire dans l'internet français tout simplement et dans du coup la lecture française. Même si, bien sûr, ce n'est pas une valeur historique qui va rester dans 50
dans 50 ans, dans 80 ans, dans 150 ans, quoi. Malgré tout, c'est une chose qui a une petite importance, mais une importance quand même. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous, vous avez pensé du livre et si vous l'avez lu, si vous comptez le lire, quel âge vous avez, voilà. Moi, ça m'intéresse énormément, donc maintenant c'est à vous de jouer dans les commentaires, tous à vos claviers. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!